Allez, hop. Clic-clic, clic-clic. Clic. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 26 avril, il est 21h01. Quasiment à l'heure, en même temps je lance à la dernière minute aussi. Ah, j'espère que votre semaine s'est bien passée ce soir, comme annoncé la semaine dernière, et parce que j'ai rien trouvé de mieux à faire, parce que surtout je voulais le faire ce soir. On va parler base de données. On va parler base de données MariaDB, donc le cousin de MySQL. Et surtout, on va parler de le déployer proprement. C'est l'objectif. Dans Kubernetes. Et pas à la main, mais avec un opérateur. On va revenir un peu sur le concept d'opérateur, sur MariaDB. On va discuter migration de base de données aussi, parce que j'ai eu l'occasion, dans ma carrière, ça fait 9 ans, d'aborder les migrations de base de données de différentes façons. Je pense qu'on va rester très basique là, ce soir, on va pas chercher les trucs compliqués. Et donc normalement, voilà, si tout se passe bien, j'aurai de quoi migrer ma vieille installation de MariaDB faite à la main, un peu dégueulasse et absolument pas maintenue, vers quelque chose qui est censé être, pas autogéré complètement, mais en tout cas, nous faciliter la vie pour gérer du MariaDB dans Kubernetes. Et avant, je m'étais dit que ce serait intéressant de revoir aussi un peu la façon dont je gère le stockage. Et pour ça, je vais passer sur, parce qu'actuellement j'utilise le NFS External Provisioner, je crois qu'il s'appelle. Et du coup, on va passer au driver CSI NFS. CSI pour Container Storage Interface, qui est donc l'interface standardisée introduite dans Kubernetes il y a un bout de temps déjà, pour standardiser la déclaration des différents types de stockage. Donc, l'idée, c'est d'avoir un contrôleur en fait qui va lire les informations de la classe de stockage et faire le travail avec une interface standardisée au niveau de Kubernetes. Et l'idée, c'est de plugger ce driver CSI sur mon nouveau NAS, où j'ai potentiellement oublié de faire des choses en amont. Parce que je suis pas sûr d'avoir créé le partage. Enfin voilà. Il me semble. Hein. Alors, est-ce que je peux vérifier comme ça tout de suite sans qu'il m'envoie yesh ? Hop, contrôle d'accès, dossier partagé, j'ai créé un dossier cube, dans les privilèges NFS, non c'est bon, j'ai déjà préparé le terrain. De ce côté là c'est bon, il y a juste par contre je crois le NFS, on est toujours sur du, malheureusement, alors ça c'est une limitation pour je pense de d'ADM, on est toujours sur du NFS 3. J'avais eu l'occasion d'en parler il y a très longtemps quand on avait discuté stockage dans Kubernetes justement. Longhorn, quand je testais encore Longhorn, qui est un stockage distribué natif. Comment il s'appelle Longhorn, il a son petit site web à lui. D'ailleurs, peut-être que je bascule sur le bureau. Ce serait bien. Voilà. Donc Longhorn, c'est un système qui utilise le stockage de chaque nœud de manière sous-jacente pour le distribuer en créant des volumes distribués qui sont ensuite affectés aux différents pods. Et j'avais testé ça, sauf que j'avais des gros problèmes de stabilité, et j'avais aussi une grosse limitation qui était que pour brancher les backups sur NFS, il fallait du NFS 4, et le NAS ne propose que NFS 3.
Et ça a été du coup mon premier usage de Minayo, qui permettait de stocker les backups de Longhorn sur Minayo. Bon, dans la pratique, j'ai jamais eu à les restaurer, mais et après, vu que j'avais beaucoup trop de problèmes, j'ai lâché l'affaire, je suis repassé sur du NFS sur le NAS directement. Et du coup, j'étais passé sur le NFS subdir, voilà. J'étais passé sur ce truc-là, le NFS subdirectory external provisioner, qui vous crée un dossier, alors vous lui passez le chemin, et après derrière il va créer un dossier qui porte l'ID du PVC qui va créer, enfin qui du volume qui va créer pour votre, votre PVC. Donc voilà, c'est. On est. On est sur quelque chose d'assez classique, on va le dire comme ça. Mais ça, du coup, mon NFS external provisionneur, du coup, pour l'instant, il est branché sur mon ancien NAS, qui reste debout d'ailleurs que pour ça, parce que j'ai fini de transférer tout ce que je voulais transférer sur le nouveau. Et donc, on va installer le CSI et on va tenter ensuite de l'utiliser avec l'opérateur MariaDB. Je vais faire un test rapidos à créer un volume bidon avec un pod ultra basique pour dire coucou, est-ce que ça marche? Mais l'idée c'est quand même d'utiliser l'opérateur MariaDB avec. Du coup, sans. Alors j'avais commencé. J'avais commencé à vouloir paramétrer des choses. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on installe le contrôleur. Et au début, le contrôleur, il vient vide. Enfin, vide. La seule chose que vous. Éventuellement, qu'on a à paramétrer. Paramétrer par exemple c'est bon si on veut faire du NFS2 mais il faut vraiment être masochiste après il y a d'autres paramètres hein, où vous forcez le policy si vous voulez vous forcez le chemin de l'image si vous voulez vous forcez la version si vous voulez enfin voilà je c'est il y a différentes choses là. Il y a pas mal de paramètres sur le chart Helm. Et il y a notamment le fait aussi de créer la storage class par défaut. Ça, je vais le faire à part. Je préfère l'avoir à part parce que c'est justement dans la storage class qu'on va brancher sur le NAS. Et c'est là où on va définir que c'est du NFS V3, etc. Du coup, je me souviens plus. External snapshot controller, non, ça on s'en bat les couilles. Parce qu'on est sur du. Derrière, j'ai pas de. Il n'y a pas de gestion de snapshot sur le NAS, donc. On est sur du. Alors, techniquement, c'est déjà du RAID 1 qui est en mode dégradé parce qu'il n'y a qu'un seul disque dur. Le deuxième, a priori, en fonction de mes plans, arrivera en juin. Mais on restera quand même sur du RAID et il n'y a pas de gestion de LVM, de quoi que ce soit, donc de ce côté-là, on est tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ouais, d'accord, hop. Du coup, honnêtement, a priori, 99,999% des... Comment ? Des paramètres n'ont pas besoin de rester, enfin n'ont pas besoin d'être modifiés, en tout cas pour mon microcluster à moi qui a un master et un node, puisque j'ai toujours pas remplacé le P4 qui est mort, j'ai pas prévu pour l'instant. Et il y aura qu'un seul réplica du contrôleur, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'en avoir plus non plus, pour l'instant, encore une fois. J'ai tellement peu d'usage en fait sur ce cluster que j'ai pas besoin de me faire violence à ce point-là. Voilà. Du coup, je savais plus trop. En fait, j'ai mis le run on control plane true et run on master true. Je suis pas allé voir dans le chart quelle était la différence entre les deux.
Run controller en master node. Deprecated on k-vitesse 1.25 plus. Ok, oui, donc en fait, j'ai pas besoin. Je fais ça. Puisque je suis. On est toujours en Kubernetes 1.26. Ça fait 2 mois que je me garde en visu que je suis censé me faire la version. Passer au moins en 1.27, voire en 1.28. Et bon, bah. Voilà. De la même façon que je me suis très bien préparé pour ce soir. C'est-à-dire que j'avais même pas vérifié que j'avais paramétré le partage sur le NAS. Du coup, alors, on va reprendre les commandes d'installation. Je sais plus si j'avais mis quelque chose dans le README. J'avais mis quelque chose dans le README. Ah oui, alors du coup. Eux, ils installent ça dans le kubesystem. Et je sais pas si je le mets dans le kubesystem ou si je le mets dans son propre namespace. J'avoue que de ce côté-là, je suis partagé. J'ai envie de l'installer dans le... Parce que c'est assez grand, oui. J'ai envie de l'installer dans son propre namespace. Allez, hop, on va le tenter avec son propre namespace. Je vais m'ouvrir un deuxième truc à côté. On va se mettre notre K9S et on va voir ce qui se passe. Donc il nous dit que ça a été OK. Donc là, on va le laisser dérouler. On va agrandir un petit peu, hein, parce qu'on peut se permettre. Je vais le décaler histoire que... Ça passe pas trop derrière la fenêtre de chat. De toute façon, il faut le temps. Donc là, on a le contrôleur et après, on a un pod par nœud. D'accord. Donc là, il est en train de pull les images. A priori. Ok, on a le premier qui est bon. Alors, le problème, c'est que là, les pods sont démarrés alors que le contrôleur n'est pas encore debout. Bon, pourquoi pas. C'est quelque chose de rigolo. Alors si on va voir dans le NFS CSI... Ok, donc là, tout est debout. Qu'est-ce que ça dit? Started Provisioner Controller. Et qu'il a déjà nettoyé. Levé un Storage Class, d'accord. Ok. Cloning Protection. Lien Acquire Lease, oui, bon bah là, il est tout seul. On a un snapshotter et là ça gueule. Alors pourquoi ça gueule? Parce qu'il nous dit fail to watch the server could not find the requested resource. Ben oui, c'est normal, il n'y en a pas. Bon. On verra plus tard. De toute façon, le snapshotter, on en, en fait, on n'en a pas besoin. Je sais même pas si on peut pas le désactiver d'ailleurs. Attends, attendez. J'ai juste external snapshotter. Ouais, en fait, le snapshotter, c'est un pod qui fait partie du... D'accord. Enfin, c'est un container qui fait partie du pod. D'accord, ok, bon, s'il gueule, je ne sais pas pourquoi il... Ok, là-dedans ça dit quoi? Là-dedans ça dit qu'il vérifie. Ok, d'accord, bon, bah jusque-là. Ah oui, ça c'est un daemon set, voilà, ok. Alors du coup, là-dedans, notre driver registrar, receive notification, ok, d'accord. A priori, il a bien récupéré toutes les infos. On est sur le CSI driver name, d'accord. Driver commit, go version. Jusqu'ici, tout va bien, comme on dit. Ok. Bon, alors lui, il est debout. Bon, si lui, il est debout, on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est la storage class. La storage class...
Je lui dis, elle s'appelle NFSCSI, ça tombe bien, puisque ça colle avec le truc. Bon, je lui ai mis la notation default class à trous. Il m'emmerde, c'est que j'en ai déjà une sur l'autre qui est le NFS provisionneur, donc je sais pas trop comment ça se passait. De toute façon, quand on va créer les volumes, on va les créer de manière explicite avec cette storage class là. Donc on a bien mis le provisionneur NFS CSI qui est 8SIO, pas de problème. Alors oui, ça par contre, je crois qu'il faut que je fasse ça, parce qu'au niveau de... il me semble que c'est... Quand je regarde... Ah oui, j'ai le local pass default. J'ai tout qui est default, hein. On est quand même sur quelque chose d'assez... C'est pas là-dedans que je... Alors là, je l'ai pas là-dedans. D'accord. Ah, parce que pour le coup, moi... à tous les coups... Pour l'ancien, pour le provisionneur, en fait, c'est dans la conf du provisionneur ou un truc comme ça. Alors non. Non plus. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok, ouais. Donc en fait, on lui passe le chemin en variable d'environnement. Ah oui, donc d'accord. Enfin voilà, dans tout cas dans le driver, ça se passe dans la storage class, et ça me va bien, parce que du coup, c'est censé marcher comme ça. On lui dit de le plugger de manière immédiate, donc ça veut dire qu'il va créer le volume dès que le PVC, donc dès que le volume claim est créé, il va créer le volume, il va tenter de le plugger, de le monter en NFS. Sans attendre qu'il soit rattaché à un pod, qu'il soit démarré. Voilà. Du coup... On apply la storage class. Donc là, on a le NFS CSI avec le provisionneur in. Ok. Il n'y a pas d'event, les paramètres ont bien été pris en compte, ils apparaissent. On met le volume expansion, mais techniquement parlant, comme on est sur du NFS, il n'y a pas de notion de quota, de volume, de quoi que ce soit. Donc quand on met une déclaration de capacité, c'est juste indicatif, parce que l'API le demande, mais en fait dans la pratique, on s'en fout. Du coup, qu'est-ce qu'on va se faire? On va aller s'inspirer de ce que j'ai pu faire avec, par exemple, Gitty. Le Gitty Data PVC, on va faire un truc comme ça. Alors, j'ai pas fait de dossier... d'accord, ok. Ok, alors qu'est-ce que je compte faire? Oui, ça y est, je me suis déjà paumé. Alors, pvc.yaml, hop, on va faire ça. Le namespace il s'appelle database, donc on va le tester comme ça. Le label, on s'en bat les couilles. Je crois qu'on va juste le mettre comme ça par principe, mais hop, on va l'appeler test PVC du read write many. On a dit que c'était NFS-CSI, hein. C'est bien ça. Et en request storage, on va mettre un giga, mais on va voir que on aura normalement bien plus que ça. Ensuite, kubectl create namespace database, parce que c'est ce qu'on veut faire. Et on apply le PVC. Il nous dit que ça a été créé. Alors là, je vais
Normalement, j'ai un database, je fais un PVC. J'ai un PVC qui me dit qu'il est bound. Et que donc, a priori, il a créé un PVC-2, machin, etc. Et j'ai gardé. Hop, et si je vais dans... Je vois pas le dossier cube, alors attendez, hop. Je suis désolé, je planque les trucs. Alors, parce que là, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je le vois pas? Pourtant, il écrit, il fonctionne, ce con. Droit d'accès. Oh, putain, à tous les coups. Non, toujours pas. Qu'est-ce que j'ai branlé? Mais... Je suis pas dans le groupe administrateur, moi. J'ai vraiment merdé ça. Ok, je vais m'enlever du groupe famille. Parce que je me demande si c'est pas ça que j'ai merdé. Ah, c'est ça, putain. Ok, ouais. D'accord, bon. Pouf, 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 pouf. Voilà, gestion de groupe à la mormolneux. Donc on a bien notre nouveau PVC qui est là. Bon, forcément, il est vide pour l'instant, mais on va s'arranger pour changer ça. Revenons là, on va se créer un petit pod vite fait, est-ce que, ou un petit déploiement. Pareil, on va reprendre la base de Gitty, mais quoique, je peux pas faire un truc, hein, c'était le create deploy. Image nginx de point stable et après c'est quoi, c'est dry run client, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Comment on fait déjà? Je me souviens plus. Il y a une option pour définir le pour lui dire tu me le crées pas et tu me l'affiches. Dry run égale client. D'accord, ok, c'est ça. Dry run égale client et ça vous fait un... Alors, on ne le voit pas, d'accord. Tirer au gamin, ça... Oh, merde, ça a marché ça. Oui, parfait. Pouf, pouf. On va faire ça. Oula. Paf. Comment on fait le montage? Je me souviens plus. Hop. Tac, 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 on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Alors, c'est ça, volume mount. Ok, alors c'est au niveau du container, c'est ça. Dans le container, on met un volume mount. Alors, faire ça comme ça. Tac. Oh punaise, oui, non, il va gueuler là. Oh, ouais. Ça c'est chiant. Volume Moon, Volume Moon, Volume Moon. Du coup, on va faire c'est ça. Moon. Passe 2 points.
Ouais, je vais me faire comme ça. Ouais. Dash data. Name 2 points. Test data. Et on rajoute un c'est à ce niveau là volume de points tirer name de points c'est un peu mieux comme ça non persistant de volume claim voilà ça va être plutôt là dedans où on va avoir le truc ça je m'en fous on n'a pas le bon, ça sert persistant de volume access mode merde je me souviens plus comment on fait pour ça c'est un claim c'est bon d'accord c'est on l'appelle directement persistant de volume claim ok donc du coup test bah, volume, il s'appelle test data puisque c'est comme ça qu'on vient de l'appeler. Le persistant volume claim. Et du coup, le claim name de point, on l'a appelé comment? On l'a appelé test PVC. Et donc normalement, on fait ça, et un CTL apply -fdeploy -n database, puisque on veut bosser là-dedans, il nous dit, alors hop, pardon, donc là il nous dit qu'il a créé le deploy, on a un il nous dit qu'il a affecté le pod à 4OS Node 01 qui pull l'image Nginx stable. Ok, donc là on va attendre un petit peu. Et si tout se passe bien, dans quelques secondes. Ok. Hop. C'est debout. On a bien le slash data de test data. Bon, ça a l'air de se passer comme il faut. Et si on fait un shell et qu'on va dans slash data. On n'a rien, mais si on fait un toto.txt, certes il est vide, mais on a un toto.txt qui... Et ben voilà, donc ça marche, parfait. C'est impeccable, c'est exactement ce qu'on veut. Du coup, bon, on va pas s'embêter, hein. On décale le deployment, le PVC, on le démonte aussi. Alors par contre, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, voilà, la storage class nous dit on garde les volumes, même si on... Enfin, on... Le contenu du volume est conservé... quoi que si ça se trouve, alors attendez. Ah oui, non, en fait, le PV, donc le persistant de volume, n'est pas supprimé après la suppression du... Comment ? Bon, hop. Ah, peut-être que je finisse le ménage, bon. Donc si jamais, pour X raison, je supprime des choses, je ne supprime pas les données par défaut. Voilà, tout simplement. Il s'agit pas de faire de bêtises. Qu'est-ce que je peux faire du coup? Oui, mais bon, bref. En l'occurrence, de toute façon, c'était un test. Et là, on va s'attaquer au vrai morceau... au vrai morceau de chez vrai morceau. Ah, déjà je vais faire un truc du coup c'est que
Voilà, je me commit tout de suite mon installation. Hop, voilà. Alors comme ça, j'oublie pas. C'est surtout qu'en fait, comme je pars demain en vacances, il va bien falloir que je récupère tout ça au cas où j'aurais envie de bosser dessus pendant les vacances et que je perde rien. Nous disions donc, alors. Bon, alors on enlève le deploy et PVC parce que c'était deux tests. Et donc maintenant on va se. Le MariaDB Operator. Donc là c'est la documentation, enfin la présentation habituelle. Coucou, voilà, si vous voulez. Si vous voulez, je vais me garder l'onglet ouvert pour le CSI parce qu'il vous faut les liens pour la vidéo YouTube. Comment ? Donc vous pouvez déployer des bases en Kubernetes. Qu'est-ce que ça fait ? Comme tous les opérateurs, ça se base sur des définitions d'objets maison pour décrire ce qu'on veut faire, déployer comme instance, comme cluster, même parce qu'il propose éventuellement le fait de dire on peut faire de l'horizontal scaling, je sais pas trop comment c'est possible, mais du vertical scaling aussi, c'est-à-dire là pour le coup augmenter les CPU, le CPU et ou la RAM en fonction des besoins. Et en fait vous déclarez le déploiement de votre base de données à partir d'un manifeste YAML, hein, comme d'habitude. Ça supporte de la HA, mais je vais pas spécialement, je m'en fous un peu. Honnêtement, je m'en fous un petit peu. Après, vous voyez qu'on a un système qui permet de dire la promesse, c'est soit de faire du multimaster avec Galera. Alors ça, j'en avais parlé vite fait la semaine dernière dans la conférence des pirates de chez Enix sur les opérateurs. La dernière fois qu'ils ont essayé Galera, ils l'ont viré. Moi, la dernière fois que j'ai eu affaire à Galera, on avait trop de problèmes avec. Du coup, il a été viré. Du coup, je suis pas sûr que ce soit le genre de truc qu'on recommande. Sinon, il y a un système de primaire avec des... ce qu'on appelle habituellement des read replica ou un truc comme ça. Et en fait, l'opérateur est censé voir si le primaire meurt pour promote un nouveau primaire. Voilà. Je m'amuserai pas à tenter le diable, à le tester comme ça. Je m'en fous, j'ai besoin que d'une instance, donc voilà. L'opérateur vous dit qu'il se charge des backups. Voilà, on verra comment ça se passe éventuellement. Déjà, on va essayer de le déployer et de voir comment on interagit avec. Et on peut utiliser, donc toute la partie backup peut utiliser des stockages. Et donc, on peut utiliser du NFS aussi, voire du S3 directement. Mais comme j'ai pas refait le déploiement propre de MinIO pour l'instant, bah, on le fera pas. Ensuite, ça nous dit que l'opérateur utilise le RBAC. D'accord, ok, pourquoi pas. L'image est basée sur distroless, donc en fait le MariaDB est déployé avec très très peu de dépendances, voire pas du tout. Alors ça peut peut-être nous poser problème, on va essayer de voir comment s'en sortir, mais... ça supporte les outils de monitoring type Prometheus, donc ça veut dire que ça doit exposer un slash metrics avec les métriques au format OpenMetrics. Pareil, le log management, on peut utiliser du Loki. Enfin, du Promtail, en l'occurrence, pour aller récupérer les logs. Et donc pour installer l'opérateur, ça se passe là-dedans avec les métriques, le webhook cert manager, je sais pas trop pourquoi on a besoin de...
Donc là, on va aller regarder un petit peu la tronche du... Et en plus, on a des exemples. Ok. Donc là, on a des exemples de... D'accord. Donc là, vous voyez, on a un objet qui s'appelle MariaDB, qui utilise du storage de 1 machin. Ça nous dit bootstrap from le volume. D'accord. Ouais, non, je suis pas fan. Bon, avec des labels istio inject en quoi? En false, d'accord. Ah oui, donc on peut le déployer en mode. D'accord, vraiment, vraiment à fond. Ok. Honnêtement, là pour le coup, autant cette semaine, j'ai juste eu le temps de me pencher sur la préparation du CSI pour voir si ça allait marcher ou pas. Et encore, hein, les fichiers que j'ai utilisés pour le déploiement, je les ai même pas testés. Hein, c'est-à-dire que j'ai lu la doc, j'ai lu le fichier de value, j'ai dit ok, ça doit suffire, pouf, hop, allez, au revoir. donc du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Paf, paf, paf. Donc on a un truc qui s'appelle juste mariadb.yaml dans le... Il est où? Mariadb.yaml. Ok, donc là on a un exemple. On a un root password machin, donc il faudrait créer un secret avec le root password. Ok. Ensuite, on peut créer des users. Ah ouais, intéressant. On peut créer les users directement dans l'objet. Ouais. L'image de MariaDB, d'accord. Le port, le storage. C'est là où au niveau du storage, il faudra qu'on regarde comment on fait pour déclarer le. On va regarder comment déclarer la CSI. Ça nous parle de service de type load balancer. On n'en a pas besoin, donc on passera sur un cluster IP. Parce que là, c'est une configuration avec MetaLLB qu'on n'a toujours pas réinstallé, donc je vais pas me risquer à ça. Et on peut forcer quelques. Ah, et on force les configurations là dans le MyCNF. D'accord. Ok. Ça me plaît bien. C'est une bonne idée. Alors c'est quoi là? On a un truc qui s'appelle config. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un dossier config. Config. Et là-dedans, on a PVC pour Maria Backup. Maria Backup, carrément! Ah ouais, c'est peut-être un peu énervé, ça. Moi, je m'en fous, j'ai pas forcément besoin d'un truc comme ça. En termes de backup, moi, ce qui m'intéresse surtout, ça va être le fait de sauvegarder les bases elles-mêmes. Typiquement avec MySQL Dump. Donc, le secret MariaDB, password et root password, d'accord. Là, on a un MinIO secret. Si on veut utiliser le MinIO, le user secret, donc ça c'est un qui s'appelle user avec un password qui est déjà en base 64. Ah, ok, d'accord, ok. Celui qui va être intéressant surtout à créer, ça va être le MariaDB Secret. Le config map, on va éventuellement le prendre avec le pour le UMask. Parce que manifestement. Mais le PVC pour Maria. Putain, Maria Backup. Alors non, si c'est vraiment Maria Backup qui est utilisé pour les backups, c'est quand même l'option un peu nucléaire. Alors, pour ceux qui jusqu'à maintenant n'ont fait que du MySQL ou du MariaDB uniquement, enfin de manière très simple, généralement vous faites vos sauvegardes avec MySQL Dump, qui marche bien, hein, on va pas, il n'y a pas de. C'est pas, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique. Surtout que maintenant, en plus, en étant en InnoDB avec le single transaction, on a quand même quelque chose d'un peu plus facile et consistant à avoir
Enfin, à obtenir que. Comment? Qu'avant. Sauf que bah, c'est bien jusqu'à une certaine taille et historiquement, pour les très grosses bases MariaDB, quand on commence à taper dans les. Enfin, moi, en l'occurrence, les plus gros que j'ai eu à traiter, c'est. Le MariaDB faisait quasiment 600 gigas. Donc là, autant dire que vous ne faites pas de MySQL dump. Hein. Ça prend une éternité. Le fichier, il est juste imbitable. Donc vous pouvez pas bosser comme ça. Mais quand vous travaillez en InnoDB, vous pouvez vous permettre d'utiliser un autre outil qui a été fait par la société Percona au départ et qui s'appelle Xtra Backup. Voilà. Et donc lui, à la base, il est fait pour MySQL. Et il est toujours fait pour MySQL. Le problème, c'est que entre-temps, enfin avec le temps, au tout début, on pouvait l'utiliser avec MariaDB sans que ça pose de problème. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Xtra Backup, techniquement, se base sur le code de MySQL et va aller travailler directement sur les fichiers de base, tout en analysant les journaux de transactions pendant qu'il copie les fichiers, pour ensuite rejouer les journaux de transactions pendant qu'il copiait pour essayer de remettre pour remettre la copie de destination dans un état cohérent par rapport à ce que vous avez entre le moment où vous commencez la sauvegarde et la fin. Et donc même si votre sauvegarde elle prend 2-3 heures, et ben il va enregistrer les 2-3 heures d'activité qu'il y aura eu sur la base pendant la copie pour ensuite remettre tout d'aplomb. Et comme il fait ça à très bas niveau, bah le problème c'est que avec le temps et les déviations entre MariaDB et MySQL, bah Xtra Backup ne peut plus fonctionner avec MariaDB. Et donc, côté MariaDB, bah ils ont forké cet utilitaire-là et ils l'ont appelé Maria Backup. Et donc techniquement, Maria Backup, il fonctionne comme Xtra Backup. Mais du coup, lui, il se base sur le moteur de MariaDB maintenant pour faire le travail. Et comment? Et ça vous fait quelque chose de suffisamment de suffisamment solide. Ça supporte même. Alors historiquement, c'était très orienté pour InnoDB. Mais on voit que c'est capable d'utiliser, enfin de gérer le stockage chiffré, c'est capable de gérer le nouveau moteur Myrox qui a été introduit dans MariaDB. Donc voilà, et donc en fait. Il faut quand même. Il y a quand même des différences entre les deux. Voilà. Donc vous pouvez pas vous amuser à faire n'importe quoi avec. Faites pas n'importe comment. C'est surtout ça en fait. Et donc là on voit que Maria Backup affiche directement la version de MariaDB sur laquelle il est basé. Et donc généralement vous allez avoir tendance. Il faut utiliser la version de Maria Backup qui correspond à votre version de MariaDB. Encore une fois, là, ce soir, l'opérateur est censé gérer ça pour nous. Mais bon, on va voir. Je suis pas fan. Je vais m'en passer pour l'instant. Je vais voir un peu comment ça tourne. On va voir déjà comment déployer pour que ça marche. Et on s'occupera après de tout ce qui est bah, de tout ce qui est. Et donc. Alors. Non, c'est. Je fais un petit truc vite fait comme ça, à chaque fois, c'est. Je me fais un micro-readme, au moins en tant que pense-bête. Hop, histoire de. Et je pense que je vais reprendre à peu près. Hop là. Voilà. Il y a juste. Ouais, pour l'opérateur, je sais pas si on va se poser la question.
ça va pas marcher, j'imagine. Ouais, voilà, je m'en doutais un petit peu. Je suis con, je l'ai déjà là. Alors, deploy. Dans deploy, on a le chart. Et dans le chart, on a le values et on a quand même pas mal de choses. Alors, ça m'emmerde un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Webhook. Alors, tac, 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 Affinity, machin, etc. Cert Manager. Wizard to your set manager to issue and rotate the certificate. If set to false, MariaDB operator cert controller will be used instead. Tant mieux, ça va rester à false, il n'y a pas de souci, parce que je n'ai pas cert manager d'installer pour l'instant. Je sais que j'avais dit que je l'utiliserais pour Trefic parce que ça commençait la gestion intégrée des certificats me bassinait grandement pour plein de raisons. Et donc du coup je cherche tout simplement à le remplacer, à le dégager. Donc on va certainement effectivement laisser la plupart des valeurs par défaut. Parce qu'on a après tolération, on s'en fout. Pod security context, node selector. Je suis en train d'y penser là. Est-ce qu'au moins l'opérateur il est déployable sur du ARM? Parce que sinon, en fait, l'opération va être un échec critique et à 22h on a fini quoi. Est-ce qu'il est démarré? Oui. Ok, ça marche. Tant mieux. Bon. C'est le jeu. J'ai un petit stress là d'un coup comme ça. J'étais pas sûr de mon coup. Mais c'est bon. Du coup. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que. Voilà. J'en ai pas besoin parce que de toute façon je peux pas l'exécuter sur mon poste. Donc en vrai, hein, je pense que si l'opérateur ne nous déploie pas une instance par défaut, je pense qu'on est peinard. Le cert contrôleur. Ouais d'accord, en fait c'est ça, hein, y a quasiment que les trucs qui concernent le cert contrôleur. Des extra arg éventuellement, le full name override. Les image pool secret on s'en fout, le name override on s'en fout. Le node selector on en a pas besoin. Et après on a les webhook affinity, tout ce qui concerne les webhook, et ça c'est pareil, on va tout laisser par défaut. On va tout laisser par défaut. Du coup. Ce qu'après, c'est via les objets qu'on va gérer. Donc, hop, alors. Bon, ça va, je pensais en avoir plus que ça, mais finalement. Et donc, hop, allez, on installe l'opérateur. Alors, on installe l'opérateur, mais, -n, voilà, on va quand même préciser. Oula. Ok, bon, il est quand même en train de le faire. Ok, d'accord. Donc là, il a tac, 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 note sure, machin, etc. Et après, on a le quick start. Donc, on en était à la config. Donc, on a dit qu'on allait la récupérer. Alors ça, pour le coup, on avait dit quoi? La config. Non, la config, elle est où? Elle est plus là. J'ai perdu. Je l'ai perdu.
Oui, le config map, on avait dit qu'on le récupérait. Hop, alors. Hop. Hop. Ensuite. Alors. C'est du YAML, on va faire ça par principe. Donc là j'ai bien le MariaDB avec ça, l'environnement pour le MySQL d'exporteur, ok, on est sur du MariaDB 11.2.2 pour okay. L'image de MaxScale si on veut l'utiliser, et sinon on a les images opérateur 11.0.0.27, ok, tout va bien. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore déployé de MariaDB, hein, donc je j'ai pas non plus. Alors, le secret. Le secret. Ça, je vais le faire à côté. Hop. Je suis désolé, hein, je vous fais patienter quelques secondes. Encore que, vous savez quoi, de toute façon, comme d'habitude, on le teste ce soir. Je vais tout scratcher pour recommencer au propre plus tard. Là, l'idée, c'est juste de faire un test et de s'assurer que ça marche. Donc, ah oui, alors merde, du coup, oh là 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 là, attends, j'ai des gros doigts ce soir. Hein. Apply-f MariaDB secret. Donc là maintenant. On a le webhook CA et le root password. Parfait. Donc là, j'ai foutu le... J'ai gardé ce truc-là pour l'instant. Je ne m'emmerde pas. Puisqu'on a dit qu'on tenterait ça ce soir. Donc ça, c'est créé. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? On applique le config, mais dans le config, on avait dit qu'on voulait se laisser... Voilà, qu'on n'allait pas tout prendre... bon, non, j'avais dit que le CSI, je le gardais. Ensuite, le MariaDB opérateur, machin. Oui, c'est voilà, c'est ça. Donc, on avait quoi? Le MinIO secret, non. Le user secret, on pouvait créer un user avec un password. Ok. Et ensuite, les MinIO secrets, les machins, etc. Le Maria Backup PVC, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Puisqu'on va pas créer tous les trucs tout de suite. Ensuite. Le README. Le README nous disait quoi? Une fois qu'on a fait ça, on applique le mariadb.yaml. Et c'est là où j'ai besoin de créer mon premier ma première instance. Et pour le storage, j'ai besoin de lui spécifier des trucs. Alors, du coup, je vais reprendre le contenu du manifeste. Parce que, comme d'habitude, de toute façon, on va commencer par le modifier. Alors, lui, je vais l'appeler
mariadb-instance.yaml. Hop. Alors, le metadata namespace, c'est database. Ensuite, alors, le root password, il s'appelle MariaDB, la clé c'est root password. Le username, on a dit que c'était la même chose. Ensuite, on a une image 10.11 machin, le port 3306. Alors, c'est là où il va falloir déborder de l'exemple et j'aurais dû garder le chart ouvert parce que... Voilà, storage class name, c'est ça qui m'intéresse. Et puis d'ailleurs, on va mettre les autres. Alors ça, c'est pour le backup. Mais ça m'intéresse pas pour l'instant, mais on va le garder. Alors, je vais regarder un petit peu ce MariaDB full, ce qu'il fait, il nous fait quoi ? Les ressources, les environnements, ok. Le config map qui est monté depuis. Ah oui, donc ça, on va en avoir besoin. D'ailleurs, il y est, ça, l'environnement. Non, même pas, hein, en plus. Ah ouais, donc en fait, dans le minimaliste, il manque des choses. Donc en fait, le full est peut-être plus intéressant. Le rolling update, alors ça me surprend un petit peu. Ça me surprend un petit peu, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le stockage en cours de MariaDB, il est quand même très rattaché à l'instance. Et j'ai du mal à comprendre comment comment on peut démarrer plusieurs process sur le même volume de données. Donc je pense que je vais faire ce que j'ai fait avec mon vieux MariaDB, c'est que l'update stratégie, je vais la foutre en recreate. Et en tout cas, celui-là, il me plaît bien. Et il y a juste que le truc du le service type, je vais le foutre en. Je vais le foutre en cluster IP parce que le MariaDB n'a pas besoin d'être exposé à l'extérieur. Donc j'ai pas besoin de lui mettre un service load balancer. Donc je vais le mettre en cluster IP. Mais on va prendre ce contenu-là. Il est plus intéressant que. Hop, voilà. Il est beaucoup plus intéressant que... En tout cas, il correspond quand même beaucoup plus. Alors là, on avait dit que c'était NFS... -CSI, s'il te plaît, on garde le truc à trou. La partie Maria Backup, pour l'instant, on a dit qu'on s'en préoccupait pas. Ce truc de connexion, je sais pas trop ce que c'est, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Donc, on verra bien ce que ça fait. Le MyCNF, il nous fait quoi? Default storage, ouais. Binlog format RAW, on verra bien. Max load packet 256 mégas quand même, d'accord. Okay. Ressource request limit 1 giga. Bon, pour l'instant ça va suffire, mais j'ai quand même des nœuds à 8 gigas, donc j'exclus pas de pouvoir mettre des trucs un peu plus énervés. Ensuite on a les liveness probes qui finalement se connectent au truc. Alors, on peut quand même, hein, on peut quand même, du coup, se connecter au pod en faisant un bash. Ok, et avec le MariaDB-U, donc ça marchera comme je le fais actuellement. Et ensuite, oui, donc j'avais dit c'était ça. Annotation, on s'en bat les couilles. L'external trafic, on s'en bat les couilles. Le session infinity, on n'en a pas. Et c'est un cluster IP.
Et on active les metrics parce que quand on réinstallera Prometheus, ce sera toujours ça de prix. De toute façon, encore que l'exporteur, je ne sais pas s'il bosse en arrière-plan pour récolter les métriques, ou est-ce qu'il le fait vraiment que à la demande au moment où on l'interroge. Parce que typiquement, je sais que le, par exemple, le X509 certificat exporteur d'Enix, il va aller lister tous les certificats que quand vous l'interrogez. Et le problème, c'est que bah, avec le temps, plus vous avez de certificats dans votre cluster, plus c'est long. Et j'ai déjà eu des surprises avec notamment du monitoring. Qui c'est qui m'avait craché un truc là-dessus? Je crois que c'est Datadog qui nous avait craché une erreur parce qu'en fait il n'arrivait pas à récupérer les infos parce qu'il mettait trop de temps, ça mettait plus de 10 secondes à répondre en fait. Je sais plus comment on avait résolu l'histoire, mais parce que on avait dépassé les 150 certificats, je crois, un truc dans le genre. Dans le cluster, et ça commençait à se faire sentir. Ça commençait à se faire sentir, donc du coup, voilà, on avait. Ah, je crois qu'on avait juste augmenté les ressources CPU parce que, en fait, il était capé et du coup, il mettait trop de temps à traiter les infos alors qu'on pouvait lui donner la capacité de le faire plus rapidement. Donc voilà, et. Donc on verra bien. Pour l'instant, de toute façon, j'ai pas de monitoring à côté, donc on n'aura pas trop la visibilité sur la performance de ce truc-là. Mais voilà. Donc on approche du. On approche du grand moment. On a l'opérateur qui est là. Qui nous dit que tout va bien. Qu'il est prêt à. Voilà, il est prêt à bosser. Putain, le timestamp dans le code JSON, oh la vache, ok. Ça, quand on va parser les logs, ça va être quelque chose. Hein. Là, c'est la même chose, ok. Et le webhook, c'est la même chose, tout est debout, tout va bien. Tout il est beau, tout il est gentil. Allez, kubectl apply-f mariadb instance. Alors en vrai, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est le PVC. Donc il y a... Ouais ! Namespace database not found. Bon, ça va, c'est juste une faute de frappe de ma part. Est-ce que je suis un boulet ? Quoique si l'objet il est namespace, normalement j'ai pas besoin de le réappliquer. Hein. Je fais ça comme ça. Storage RWO. Hop, allez, déjà ça commence mal. J'aurais dû lui passer l'access mode, c'est ça, à tous les coups. Et en plus on a même oublié de remettre le truc à recreate. Bon, c'est pas grave, on verra bien. De toute façon on est en RWO, donc le rolling update il fonctionnera pas. Là, il est en train de pouler l'image. On doit avoir un service MariaDB avec un cluster IP en internal avec le 3306. Donc ça, c'est parfait. On a un opérateur webhook, donc ça ne bouge pas. Et donc là, il est en running. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Tac, 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 pouf, pouf, pouf. Clac. On est sur l'initialisation du volume. Ready for connection. Ça a l'air pas mal, hein? Ça a l'air pas mal. Juste pour la blague, si on va voir nouveau volume, on a toutes les données du volume, avec la base de données MariaDB, la table, enfin la... Non, c'est la base MySQL, mais en fait ça, dans la pratique, je crois que c'est principalement des vues maintenant qu'il y a dedans. Pour la compatibilité, ok. J'aime bien.
Si je fais un shell, il m'a mis sur un bash. Donc là, si je fais un MySQL... Oui, le premier freeze de la soirée, parfait. Est-ce que je vais récupérer mon écran? Est-ce que je vais perdre des trucs? Non. Alors, il m'a... D'accord, il m'a remis les fenêtres dans le désordre. Désolé. Alors, hop. C'était quoi l'option? On avait dit qu'on avait vu dans les... La UNES, c'est MariaDB root password. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. On va faire ça. Hop. Et donc on a un machin, ok. Alors select user virgule host from, voilà, from mysql.user. Donc ça c'est la, l'ancienne méthode à l'ancienne avec la vue à l'ancienne. Et donc on a un utilisateur MariaDB et un utilisateur root, ok. Bon, en vrai l'utilisateur enfin, MariaDB, celui-là je pense que je vais regarder pour ne pas le réinstaller quand j'aurai besoin de le réinstaller. Parce que vraiment, c'est pas le genre de truc qui me botte. Mais en tout cas, il me plaît bien. En tout cas, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Il n'y a pas de network policies, ok, donc j'ai pas mis de restrictions. Non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime cette musique? Alors. Qu'est-ce que. Oui, on en était là, pardon. On est donc sur un MariaDB 0. Sur un stateful set. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, donc ça veut dire que si jamais je veux faire une modification sur le... Comment ? Si je veux faire une modification... Alors, je vais y arriver. Sur... le mode de fonctionnement du PVC... Ouais, ça veut dire que potentiellement, je vais devoir supprimer le truc pour le recréer. Alors, heureusement que le volume, il est conservé, hein, parce que... Parce que ça peut faire peur. Je regarde un petit peu hein, tous les trucs qui sont possibles. Ah ouais, le problème c'est que je suis sur le volume claim template et ça c'est ultra rigide dans les stateful sets, donc je pense que voilà. Donc ça, ça typiquement, je vois pas comment ça peut marcher. Parce que là, il me met du read-write once. Et derrière, il met du rolling update. Mais ça veut dire qu'on a déclaré le volume comme étant un volume où un seul pod peut travailler en même temps. Sauf que le rolling update dit « Démarre-moi un nouveau pod avant de supprimer l'ancien. » Sauf que pour démarrer le nouveau pod, bah, faut bien qu'il accède au volume. Donc là, moi, mécaniquement, je me dis qu'il y a un truc qui va pas. En soi, on s'en fout. En soi, on s'en fout. Ah, on voit quand même qu'il y a un truc qui n'a pas été bien... Il n'a pas déclaré... Ok. Donc, quand on active le service de métrique, il expose une entrée métrique. On a le metrics exporter. Et en fait, il est censé... Il essaye de déclarer un service monitor pour Prometheus. Mais, le... comme Prometheus n'est pas installé, il n'y a pas... la custom resource service monitor, donc du coup il n'arrive pas à l'appliquer. C'est pas très grave. Le truc c'est qu'il va continuer d'essayer en boucle et ça marchera pas, donc c'est bon. C'est pas la mort. C'est pas la mort, c'est pas la mort. En tout cas, grosso modo,
J'ai un truc qui est installé. J'ai un truc qui est installé et j'ai un truc qui marche. Voilà. Alors, par contre, donc maintenant. Donc, vous voyez, typiquement, moi, sur mon autre instance MariaDB, bah, du coup, je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait l'installation de drone, bah, j'avais créé une base dans drone, mais je m'étais connecté tout à l'heure, comme on l'avait fait en mode shell. J'avais fait ça, je m'étais connecté dessus, et après, j'avais fait un create database. Ensuite, j'avais fait un grant all privilege, etc. Il se trouve que dans MariaDB, vous pouvez le faire avec des objets. Donc vous pouvez créer une base de données à partir d'un objet database. Donc si je le... Une fois qu'on a pris ça, on a l'objet database. Alors le requeue et le retry interval, je ne sais pas trop ce que c'est, mais vous avez le caractère set, le collate, le nom de la base. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, on va peut-être regarder .database. Ah, donc il m'a créé un user MariaDB, mais en fait, il n'y a pas de base de données qui va avec. Ok. Ou alors, c'est dans l'objet de base. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais donc, voilà, vous pouvez créer une base de données à partir de ça. Donc, si vous pouvez dire... vous pouvez embarquer potentiellement cet objet-là dans votre... Alors, je ne sais pas s'il faut le mettre dans le même namespace ou si ça peut être embarqué dans l'application dans un autre namespace. Pour la blague, on va le tester. On va créer une base de données DataTest et on va l'appliquer dans un autre namespace et on va voir ce qui se passe. Ou alors ça implique d'avoir de juste gérer les définitions des bases de données à partir de manifestes. Je ne suis pas éveillé. Le MariaDB ref, il s'appelle MariaDB. Oui, donc il faut que notre base de données s'appelle MariaDB pour que... Ok, donc l'objet s'appelle DataTest. Oui, non, là on s'en fout. Voilà, on va garder ça. On va garder l'UTF-8. Et donc il est censé être rattaché à la ressource MariaDB. Ah. Le problème c'est que je ne sais pas si le contrôleur MariaDB. On va aller le foutre dans default. Ouf, qu'est-ce qu'il m'a fait? D'accord. Ouais, voilà, je m'en doutais. Donc, en fait, il n'a pas trouvé l'instance MariaDB. Et donc là... Ça marche, ça? Oui, parfait. Si je refais un apply, mais que cette fois, je le mets dans le dossier, dans le namespace database. Donc là, il me dit qu'il est créé. Et si je le fais, et là il me dit bien qu'il l'a créé. Et donc si je reviens dans mon instance. Alors déjà là il l'a trouvé. Et du coup. Hop, si je fais ça, je refais mon show database. Et là j'ai bien un data test qui a été créé. Donc l'opérateur m'a fait la création de la base, voilà. Pour moi. Parfait, tant mieux. Ah, mais la base MariaDB est vide. Oui, donc en fait, c'est des trucs qui servent à rien, qu'il faudrait que je supprime de l'installation, en fait. Ok, donc je regarderai comment faire pour éviter d'avoir la création de ce truc-là. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en fait, ouais, vous pouvez gérer la création de vos bases de données à partir d'objets. Alors, honnêtement, je pars du principe que moi, à mon niveau, c'est pas forcément utile. Parce que j'ai peu de bases de données. Ça va commencer à être utile quand vous travaillez si vous voulez proposer un genre de MariaDB as a service par exemple.
que vous voulez le mutualiser un petit peu, et dans ce cas-là, vous allez, pour l'automatisation, vous allez avoir envie de gérer la définition de vos bases de données, la définition, hein, je parle pas du contenu, la définition, à partir des objets custom. Comme ça, vous avez ça dans vos manifestes, et du coup, pour plein de raisons, vous pouvez réappliquer le truc, les supprimer, etc. Et potentiellement, ce sera nécessaire à partir du moment où vous allez déclencher des backups. On va commencer, on va se repencher sur cette histoire de backup plus tard. Moi, ce qui m'intéresse maintenant... Alors, il y a deux choses qui m'intéressent. Déjà, on supprime la base de données. On supprime la base de données. Est-ce que... La base de données bien supprimée. Parfait. Donc l'opérateur fait parfaitement son travail. On est sur une instance simple, hein, donc on n'est pas sur des cas compliqués. J'ai pas tenté de faire de réplication de quoi que ce soit. J'en ai pas le besoin, j'en ai pas l'usage. Je testerai peut-être dans le futur, mais pour l'instant c'est pas la vocation du truc. Ce qui va me... Donc du coup, le user et le grant, c'est pareil. Hein. Ce qui va m'intéresser... Qu'est-ce que c'est ça? SQL job. Donc il y a des manifestes, il y a des SQL job. Alors... SQL job, ok. Là, on nous parle d'un repo. Donc on a SQL job. Ok, donc c'est juste pour dire coucou. C'est pour exécuter du script SQL dans le... comment ? Dans la base de données. Voilà. Dans une base... exécuter, donc là en l'occurrence il crée une table et après il insère des données dans la table. Voilà, on n'est pas non plus sur un truc. C'est un exemple, donc je vais pas l'exécuter, mais alors après du coup il y a quoi? Repo, c'est quoi ça? Cryptable repo, d'accord. Insert into repo, MariaDB operator, user, where username, ok, d'accord, oui, on s'en fout. On s'en fout. Avec des unique keys, des foreign keys, d'accord, ok, et ensuite on a quoi? C'est quoi stars? Ah, donc là c'est intéressant, en fait on a un job qui dépend des deux premiers. Ah d'ailleurs le repo il fait quoi lui? Oui c'est ça, le repo, il se base sur user, d'accord. Donc on a le nom de la base de données, on utilise avec ces credentials là l'exécution du job, d'accord. La sélection de la base de données, et après le code SQL. Ok. Le repo, il nous dit, on a besoin d'exécuter users. Il prend les mêmes credentials, on n'en parle pas. Et le troisième, c'est un schedule qui s'exécute. L'étoile divisée par 1, ben c'est toutes les minutes en fait. Non? Je vois pas pourquoi l'étoile divisée par 1, suffit de mettre étoile. Bon, bref, toutes les minutes, avec le user, avec les credentials, et là ça va créer la table star, et alors là ça va injecter des trucs avec des références aux tables user et repo, ok, donc bon, après là c'est un peu histoire de dire d'avoir un bout de structure, et après il fait des deletes avec des trucs, avec du rand, donc là il supprime, ah oui d'accord, en fait il fait du randomize... avec une bonne grosse... Là, il y a quand même pas mal de requêtes d'utiliser. Hein. On est sur quelque chose d'assez énervé. Ok. D'accord, donc en fait, le job SQL, ça peut être des jobs ponctuels et ça peut être des jobs planifiés. Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc vous pouvez éventuellement créer un job SQL planifié pour dire de faire un optimize table, machin, etc. Si vous savez que vous avez une table où il y a énormément d'entrées-sorties.
L'Optimize va être très pratique pour nettoyer un peu le stockage sous-jacent. Parce que c'est ce qui va pouvoir faire chier et consommer pour rien. Même si normalement, sur les versions récentes de MariaDB et de MySQL, l'Optimize est beaucoup moins utile parce qu'il est censé le faire plus ou moins automatiquement en arrière-plan. Un peu comme un auto-vacuum dans PostgreSQL. Mais voilà. Ok, d'accord. Donc on a ce système-là. Ouais, ok. Ah ouais, alors c'est là où par contre on va avoir le... La gestion du backup. Alors ça... Ça fait peur, ça. Ouais, et vous voyez, c'est bien ce qui me... C'est bien ce que je vois de... C'est bien ce que je pensais, en fait. Il fait un backup de l'instance complète. Donc ça, du coup, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Il fait un... Voilà, il crée un backup, et le backup... qu'est-ce qu'on a vu? Il s'appelle backup, backup.yaml, à part déclarer le storage, machin, etc. Quoique, non, là, c'est du single transaction, all database, bah, faudrait savoir. Ah, je comprends pas. On a vu un truc Maria Backup, il s'est amusé à l'appeler Maria Backup, et parce que derrière, dans l'exemple, il nous dit on applique le backup, et après on peut faire un bootstrap avec un MariaDB from backup. MariaDB from backup, il fait quoi lui? On l'appelle MariaDB. On fait un bootstrap from avec un backup ref et on labellise le restore job. Oui, c'est très d'accord. Et du coup, il y a la création du backup. La création du backup nous dit coucou, tu stockes les infos, machin, etc. Les arguments single transaction et all database, c'est pas des options de Maria Backup, c'est des options de MySQL dump. Donc ça me surprend un petit peu. Donc ça veut dire que potentiellement. Il fait un MySQL dump de toutes les tables, enfin de toutes les bases de données, le tout en single transaction. Donc en fait, l'idée c'est que du coup, ça fait un instantané entre guillemets de toutes les bases de données. Et donc normalement, il n'y a pas de problème de cohérence jusqu'à un certain point, je pense. Et en fait, il va récupérer les informations de l'objet backup. Et donc les informations de la base qui est sauvegardée pour recréer une deuxième instance à côté en réinjectant tout le contenu. C'est comme ça qu'il fait avec le... Ouais, c'est ça, hein. D'accord, ok, j'imagine que l'objet backup, lui, il doit avoir des options supplémentaires. Donc après, on a quoi? Tac, 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 le machin avec flux, ouais, ok.
Ouais, fait chier. Bon. Ouais, volume resize, mais ça on s'en fout parce que ça dépend de la classe, et sur du NFS on s'en balec. Ephemeral storage, genre ça, non, certainement pas. D'accord, ensuite on a quoi du coup? Les métriques, gna gna gna, recommandé l'installation flavor, on s'en fout. Le MySQL d'exporteur, ok. Le service monitor, on s'en fout, il n'est pas créé. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que... C'était quoi d'autre qui m'intéressait? Le backup. MariaDB opérateur, gna gna gna. Créer un backup ressource, ensuite avec un restore, d'accord. Ça utilise des jobs, cron jobs pour faire le taf. C'était ce qu'on avait comme information. Ensuite, on a quoi? Nia, 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 les PVC. Ensuite, créer directement un volume natif, mais ça, on s'en fout. Alors, tac, 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 ouais. En vrai, je pourrais éventuellement me servir de Minayo quand ce sera en place. Ce sera plus intéressant que de faire que d'utiliser le NFS pour le backup. Mais du coup, ce qui m'emmerde un peu, c'est que j'ai pas trop compris. Gna gna gna. Ouais. Alors non, parce que les exemples, c'est pas ce qui est de plus. Les exemples étaient pas assez parlants, justement. Scheduling, oui, on a compris. Retention policy. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Donc ça veut dire que là, normalement, si on dit 30 jours de sauvegarde et qu'on met un schedule quotidien... On est censé... d'accord, donc je pensais que c'était... D'accord, quand il créait le volume Maria Backup, pour moi, c'était du Maria Backup de chez Maria Backup. Et en fait, non. Ce qui me rassure en un sens, parce que c'est plus, enfin, c'est vraiment intéressant par rapport à ce que je compte souhaite avoir. Ok, et eh ben, ma foi, bon, bah... Ok, je me le garde sous la main. Je veux quand même discuter vite fait de comment on va réinjecter des trucs existants. Alors. Là, comme j'ai... je vais tenter un truc. Echo dollar MariaDB root. Password. Hop. Donc on est sur MariaDB 11 comme ça avec des majuscules et un point d'exclamation. Ce qui m'intéresse, le service. Donc on est dans database.mariaDB. Je vais tenter de me connecter à ce nouveau MariaDB depuis l'ancien. Et si j'ai ça, ça va me faciliter la vie, mais de ouf. Donc là, on est sur mon vieux MariaDB qui date, vous voyez, de 265 jours. Et donc, du coup, je vais faire MySQL-H database.MariaDB-U root-P. Unknown MySQL server host databases.mariadb. Ah! Con ou... Ah, ou c'est mariadb.database ou un truc comme ça, c'est dans l'autre sens, non? C'est ça?
Voilà, je l'ai fait à l'envers, évidemment. Je suis donc connecté, donc ça va me faciliter la vie, mais de ouf. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire un dump d'une base de mon ancienne instance et l'injecter directement dans ma nouvelle instance MariaDB. Donc injecter le contenu. Alors à cette étape-là, on pourrait utiliser l'objet database pour créer la base de données vide de l'autre côté. J'ai pas. Alors, en vrai, a priori pour le backup, il faut quand même le faire si on veut cibler une base de données, je pense. Si on veut cibler une base de données en particulier, a priori, il faut qu'on le fasse. Là, comme ça, pour le test de transférer la base d'un côté et de l'autre, je vais pas le faire. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais aller me refoutre en shell directement dans le. Hop, je suis allé trop loin. Hop, voilà. Ok, et donc là, ce que je vais faire, c'est que dans mon ancien. Ah, là, je peux sortir de là, mais. Je vais faire un truc. Alors affreux, hein. Je vous le recommande pas, mais on va faire un MySQL dump root-p de l'art de MySQL password. Bon, on a un administrateur, hein, donc je m'emmerde pas trop. Je vais faut que je fasse ça. Et j'ai de la merde dans la base. Ah oh, putain, quel enfer. Oui, bah oui, je m'en doutais. J'ai de la merde comme ça dans la base? Ça me surprend un peu. Eh oui, j'ai de la merde dans la base de données, d'accord. Ah, fait chier. Bon, alors on va prendre l'exemple de la base drone, tant pis. Elle a quasiment rien, elle est beaucoup plus petite. Ça devrait se passer mieux. Parfait, voilà. C'est un peu plus. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir, on a quoi? On a les drop table if exist avec les create table. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'au début du. Et je m'étais dit que c'était plus petit, en fait. Ok, ça y est. Hop, create database if not exist drone. Parfait. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est les options du DOM qui font que ça va automatiquement. Oh, je suis con, j'ai pas besoin de faire ça. Voilà. Donc, je vais pouvoir reprendre ça. Et une fois que j'ai fait ça, et ben je le pipe directement à ma commande MySQL. Donc du coup. Je vais l'appeler. C'était quoi? C'est -h, oui. MariaDB.database, parce que c'était ce qu'on avait. Hein. -u root -p. Et là, je vais faire comme ça, parce que de toute façon, j'ai dit, c'est un truc qu'on ne gardera pas. Et là, a priori, j'ai pas besoin de plus puisque la base n'existe pas de l'autre côté. Donc normalement, je fais ça. Il se passe rien. Mais si je vais déjà de l'autre côté, je vois que j'ai la base drone qui a été créée. Vous voyez, on ne l'avait pas. Et là, on l'a créée. Et donc là, il a fini. Et donc effectivement, maintenant, si je fais un show tables from. Drone, j'ai toutes mes tables. Si je fais un
Select étoile from. C'est quoi? C'est drone.users. J'ai pas fait de use, donc du coup je suis obligé de mettre. Voilà. Donc là j'ai l'utilisateur avec moi, avec mon adresse, et puis après. Avec tout le bordel, où j'ai l'utilisateur drone, l'utilisateur Sébastien66, voilà, tout va bien. En vrai, il faudrait le mettre comme ça, histoire de l'avoir de... Oh, c'est beaucoup plus beau. Voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. On peut... en tout cas, en l'occurrence, moi, c'est comme ça que je recommande de le faire. Et alors après, par contre, bah... Alors ça, c'est les stratégies de migration de base de données, après... Là, on est sur du cas simple, c'est-à-dire je déploie la nouvelle instance et je dump pour injecter dedans. En plus, là, l'avantage, c'est qu'on est dans le même cluster, donc c'est facile de le faire comme ça. Ça vous évite un stockage supplément intermédiaire à devoir copier un fichier, ce genre de choses. Quand vous êtes sur des clusters différents, vous n'avez pas trop le choix. C'est pas... Il y a peu de chances de pouvoir... ou de se voir autorisé d'avoir des flux comme ça un peu direct entre deux clusters, c'est pas forcément foufou. Et par contre, alors après, bah, se pose la question, est-ce que quand. Alors moi je m'en fous, c'est-à-dire que je peux couper l'application, faire le dump, modifier la config pour l'application, la redémarrer et elle pointe sur le nouveau serveur. Et là, moi c'est réglé, on n'en parle plus. Alors attention, parce que là faut pas oublier, j'ai fait que la base, j'ai pas fait l'utilisateur. Je préfère vous le garder en mémoire. Maintenant, bah, parfois vous pouvez avoir des stratégies un petit peu plus complexes, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que le pire cas que j'ai eu, c'était une migration d'un site. Ah, bah avec la fameuse base de 700 gigas. Alors là, autant vous dire que je me suis pas amusé à faire un backup pour le transférer de l'autre côté, parce qu'à 600-700 gigas, le backup mettait déjà une heure et demie à se faire, à transférer, j'en parle même pas, et à restaurer et à redémarrer, c'était un enfer. Enfin, c'était long, en tout cas. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait à l'époque pour... Pour me faciliter la vie, c'est que un mois avant la migration... On a commencé à mettre en place de la réplication entre le serveur de prod et la plateforme cible. Et donc ça... Donc il y a différentes méthodes. En l'occurrence, j'étais pas parti sur du GTID, j'étais parti sur... Sur quoi j'étais parti ? C'est ça, j'étais parti sur ces trucs-là, en mode classique, start slave, etc. Donc il y a un petit peu de configuration à mettre en place, alors même si les commandes sont toujours existantes, c'est vrai que maintenant ils mettent des change primary, change secondary, etc. Donc c'est primary replica, d'accord. Et donc en gros, bah voilà, comme j'avais besoin de... En fait, la base de données était beaucoup trop grosse et on pouvait pas se permettre de couper le site trop longtemps. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'un mois avant, j'ai fait le fameux extra backup, parce qu'on était encore sur de l'extra backup, parce qu'on était sur MySQL à l'époque, pour sauvegarder les fameux 700 gigas, pour les foutre sur l'hébergement de destination. Et après, hop, mise en place de réplication, parce que quand vous faites ça avec extra backup, il vous donne l'information de quand il a de l'instant où il s'arrête, où il est positionné en fait en termes de données de transaction. Et donc quand vous activez ce système de réplication, vous lui donnez la position dans les journaux. Et du coup, après, le slave contacte le master, récupère tout ce qu'il a à rattraper, et il le rejoue. Il le rejoue jusqu'à ce qu'il soit à jour. Et donc, normalement, vous êtes censé voir des deux côtés les mêmes valeurs d'identifiant de transaction. Et donc, je l'ai fait comme ça, et ça m'a facilité la vie.
Là, on est dans un cas beaucoup plus simple, on est dans le même cluster, donc je m'embête pas, j'ai pas des applications critiques, je peux me permettre de les couper comme je veux. Donc voilà. Je suis pas sur du gros volume, je suis pas sur. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent du live que j'ai perdu. Merde, un petit peu. Ah bah non, vous avez pas pu le voir. Bah non, parce que je l'avais pas fait en live, ça. Quand j'avais migré la base de données du WordPress, pareil, je m'étais pas posé la question. C'est... j'avais... comment ? J'avais j'avais directement fait... pareil. Pareil, MySQL dump, connexion à la destination, injection. Je m'embêtais pas avec le fait d'avoir le truc dans un fichier, de copier le fichier, de le réimporter. Je faisais de la connexion directe comme ici, quoi. Et alors... voilà. Traité un irritant. Sachez qu'il y a moyen, en l'occurrence, je sais plus pour quelle raison il a fallu à un moment donné que je le fasse. Alors ça, par défaut, c'est de la connexion avec du texte en clair. Quand vous devez faire ça entre serveurs et que vous pouvez, pour peu que ce soit des hébergeurs différents, par exemple, vous avez quand même le flux. Soyons fous, vous avez le flux disponible entre votre serveur source et votre nouveau serveur. Mais que vous êtes sur des hébergeurs différents, alors là on est sur Kubernetes donc ça peut pas s'appliquer, mais vous pouvez passer ce genre de choses, ce MySQL dump pipe MySQL, au travers d'SSH. Donc vous pouvez chiffrer le transport des données de la source vers la destination. Assez facilement. Je préfère le prévenir parce que voilà, c'est une option que vous pouvez avoir si jamais vous avez des soucis de. Alors, ça peut être le cas si par exemple vous avez du delta de version qui peut poser problème. Parce que là, typiquement, moi je suis là sur mon ancien serveur avec un client en MariaDB. C'est quoi? C'est du 10.4? Ok, ouais. Et on s'est connecté sur un MariaDB 11. Quelque chose. Bon, manifestement, ça n'a pas posé de soucis particuliers. On n'a pas pris d'erreur de données incohérentes ou quoi que ce soit. De valeurs, de modes non supportés, etc. Mais ça pourrait se produire. Moi, j'ai déjà eu le tour avec notamment du passage de MySQL 5.7 à MySQL 8. Où j'ai eu des surprises avec des trucs comme ça. Ou alors pire, si vous passez de MySQL à MariaDB ou inversement. J'ai eu le tour avec un développeur qui m'avait fait un export d'un squelette de base de données pour une nouvelle application. Il l'avait fait sur du MariaDB en local. Et il y a une des tables, quand j'ai tenté de l'importer dans mon instance CloudSQL sur GCP, qui est donc basé sur du MySQL 8, eh ben, je me suis pris une erreur à l'importation, à un moment donné. Et quand j'ai regardé de plus près, ben, en fait, MariaDB propose un champ, un type de champ, pour les clés, je crois, qui s'appelle UUID. Et le problème, c'est que ce type de ce data type n'existe pas. Enfin, en tout cas, l'année dernière, quand j'ai eu le problème, il n'existait pas dans MySQL 8. Du coup, bon, l'avantage, c'est qu'on était au début de l'application. J'ai demandé au développeur si c'était un problème d'avoir ce format-là, si c'était vraiment obligatoire d'avoir ce format-là. Là où il l'utilisait, c'était pour un champ de table en fait, un ID, plutôt que d'avoir un ID qui était en mode numérique, tout con, avec un auto-incrément ou un truc comme ça.
il y avait un type UID et je lui ai demandé si c'était problématique ou pas. Il m'a dit qu'il n'en avait rien à battre, donc il m'a refait le schéma en remplaçant l'UID par un numérique classique, un integer, un truc comme ça, je crois. Et du coup, c'est passé. Et vous voyez, c'est le genre de choses qui peut se produire. Et alors, si jamais vous êtes déjà sur un truc qui est en production et que ce truc de UID ne peut pas être corrigé, bah là, vous êtes bien coincé. Vous êtes bien coincé et vous êtes obligé de rester du coup sur du MySQL ou enfin sur du MariaDB. Donc c'est le genre de choses qu'il faut quand vous êtes sur des migrations comme ça de plateforme. Et typiquement, pour les gens qui bossent, alors pas forcément trop à niveau perso, mais sur du. En tant que professionnel, on vous fait faire des migrations cloud où vous commencez à utiliser des services cloud et que vous n'êtes pas sur un pour un en termes de logiciel. Maintenant, on a des vraies déviations énervées entre MariaDB et MySQL, et il faut être capable d'en tenir compte. On est beaucoup moins embêté avec Postgre, mais bon... Soit on arrête d'avoir 40% de web qui repose sur WordPress, et on peut se permettre de se dire qu'on n'aura pas ce genre de problème, puisque PostgreSQL est beaucoup plus robuste de ce côté-là. Soit, malheureusement, on est obligé de changer de moteur. Enfin bon. Non, je dis ça, mais en fait, le schéma de base de données de WordPress, pour le coup, il est particulièrement calme. Mais je pense à décider des entreprises qui feraient des sites de commerce avec du... Et je pense notamment à Magento. Parce que ça, j'ai eu l'occasion d'en... Magento, dans ses recommandations pour Magento 2, comment ? Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas le... Ok. En fait, dans les recommandations pour le déploiement de Magento, ils recommandent MariaDB. Vous êtes sur du cloud, la plupart du temps vous avez que MySQL, ou alors vous voulez tenter le service MariaDB sur Azure. Vous avez le droit d'être masochiste, hein, c'est votre problème. Le service a peut-être un peu évolué, il est peut-être plus stable maintenant. En 2021, c'était pas le cas. Et on avait dû le fuir comme la peste, parce que ça marchait juste pas. Et d'ailleurs, un Magento à vide avec ses 400 tables, il nous pétait des erreurs de mémoire sur une base de données qui était quasiment vide, où on avait 16 gigas de RAM. Voilà. Tout ça parce que Microsoft fait n'importe quoi avec sa plateforme et a injecté des patchs maison dans les services, parce qu'il les déploie sur du Windows. Ça, voilà. Bref, donc c'est le genre de truc où il faut être vigilant. Voilà. Sur ce, bon, 22h50, hein, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais décalquer. Je vais tout décalquer. Je pense que le plus simple, ça va être de buter le. Je vais buter le namespace parce que du coup je vais potentiellement. Parce que là moi il s'appelle MariaDB déjà ici. Alors soit je redéploie dans MariaDB parce que j'ai peu d'adhérence entre les deux. Parce que là j'avais mis database parce que je me disais je vais. Bonne nuit. D'accord. Il n'y a même pas eu de bonsoir. Il n'y a même pas eu de bonjour, bonsoir, et on me dit bonne nuit directement. Bah merci, bonne nuit aussi. D'ailleurs, mais c'est pas grave, il n'y a pas de dire en retard, on dit bonjour quand on arrive, c'est pas un souci qu'on soit en retard, voilà. Comment ? De toute façon, on se voit dimanche. Hein. Voilà. Ouais, je pense que je vais tout désinstaller. Bon, la bourrin, en fait, on va faire ça. Je vais pas m'emmerder avec le. Comme tout est contenu dans le namespace, on fait ça. Feu ! Voilà, et donc là, normalement, il va commencer à. Il est censé déglinguer tout. Voilà. Voilà.
Ensuite, il y a les objets custom, machin, les pods, les volumes. Hop, et voilà, donc ça c'est tout désinstallé. Donc c'était bien, ça me plaît beaucoup. Du coup, ça tombe bien, parce que je vais être 2 semaines en vacances, donc je vais pouvoir prendre le temps de... Ah bah oui, c'est plus qu'en retard, là, puisque j'ai fini. Donc faudra regarder le replay. Le replay, il sera... Alors, parti comme c'est... Bah, le replay, il va rester sur Twitch. Donc non, ça, il n'y a pas de souci. Comment ? Sinon, YouTube, samedi ou dimanche... alors, le problème, c'est comme je vais être sur la route samedi matin, que je vais devoir travailler à partir de l'ordi portable, ça va pas être la même salade que... que quand je le fais d'ici. Voilà. En tout cas, voilà, on a testé. J'ai fait double sujet. Enfin, t'es arrivé très en retard, effectivement. J'ai installé le CSI NFS pour pouvoir utiliser mon nouveau NAS, les volumes sur mon nouveau NAS. Et fort de cette installation qui s'est bien passée du premier coup et après un petit test rapide autre réussi, j'ai installé le MariaDB Operator et on a déployé une première base de données où on a vu qu'il y avait 2-3 petites pétouilles potentiellement. Il va falloir que je corrige tout ça par rapport au type de volume qui est installé, qui est déployé, etc. Et finalement, en continuant de lire la doc, on se rend compte que les backups, c'est moins terrible que ce que je pensais. Donc voilà. Donc c'est cool. C'est cool. Encore un nouveau truc un peu plus moderne qui va arriver sur mon cluster. Qui va me permettre d'avoir un MariaDB un petit peu plus propre, parce que honnêtement, le vieux machin à la mano, là je sais plus où j'ai avec les manifestes à la main, avec le PVC, le secret, le service, le namespace, machin, etc. Bon, comment dire. Voilà, hein. On est sur quelque chose de rudimentaire et en fait juste c'est chiant à maintenir, ça m'intéresse pas plus que ça. Le fait de le faire via opérateur, ça va nous faciliter la vie sur plein de trucs. Et ça, il a l'air de bien marcher. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux dire ? Bon, comme d'habitude, oui, comme je disais, voilà, le replay, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Ouais, et encore ! On est bien moins mal chaussé qu'avant, hein, parce que qu'est-ce que j'avais eu l'occasion, c'était pour il y a quand même pas mal de temps maintenant. Alors est-ce que c'était sur si on retourne voir la chaîne, est-ce que c'était dans les lives ou non, c'était pas sur YouTube, donc c'était voilà, c'était donc il y a... alors il nous dit il y a 8 mois. C'était en août 2023. Donc en août 2023, on avait bourré Kubernetes, on était passé de 1.21, un truc comme ça. On était en 1.21, on est passé en 1.26. Et en vrai, j'y ai pas retouché depuis le mois d'août. Donc, mais bon, voilà, je suis déjà en 1.26. On avait passé le réseau de Flanel à... Comment ? On avait passé le réseau de Flanel à Calico. Sachant qu'il y a des chances que Calico prenne aussi sa retraite. Et parce qu'il y a Cilium qui... Je l'ai testé depuis, et voilà, donc il y avait besoin. Il y avait besoin de... Il y a besoin de passer à Cilium, mais... Et encore, même, c'est pire que ça, c'est-à-dire que j'ai posté la vidéo au mois d'août, mais la vidéo, en fait, c'était au mois de juillet. Et heureusement que je mets la date, hein, sur les vidéos. Donc, ouais, voilà, j'ai fait ça...
On s'est installé un drone en plus de Giti, même s'il ne sert pas encore beaucoup. Il va être amené à servir beaucoup plus que ça. À terme, il faudra qu'on revienne un peu sur les... Le problème, c'est que j'ai plein de sujets comme ça qui ont été en demi-teinte, où on a terminé des lives un peu en... Pas en autre boudin, mais pas loin, où ça s'est un petit peu, et j'ai jamais repris. Donc ce serait bien qu'on arrive au bout de ces trucs-là, à un moment donné. Genre là, typiquement, le truc de build où j'arrive pas à récupérer le tag de l'image. Pour patch le déploiement. Ça me casse un peu les... Ça me casse un peu les roustons. Donc ouais, il y a... Voilà, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Parce que sinon on a fait quoi? J'ai fait les réglages, ça concernait le réseau. Donc là maintenant j'ai le stockage nouvelle génération avec les CSI. J'en ai même pas chez moi. Mais c'est pas grave, c'est pas obligé. Hein. Moi j'avais envie de me... Comment? J'avais envie de me le faire. Comment? Parce que j'aime bien la techno. J'aime bien la techno et au final, j'ai beau avoir deux Raspberry Pi, je pourrais en avoir qu'un seul. Ça marcherait très bien. Et en vrai, pour l'instant, vu le nombre d'applications, j'avais pas forcément besoin d'avoir Kubernetes. Et on n'est pas obligé d'utiliser Kubernetes pour travailler. C'est juste que moi, j'aime bien. Mais on peut varier les plaisirs. On n'est pas obligé de faire de la conteneurisation. Typiquement, mon blog, il n'est pas hébergé dans du Kubernetes. Il est dans de la machine virtuelle sur un Proxmox, sur un serveur dédié. C'est tellement 2010 comme installation. Mais voilà, c'est pas... Et donc il y a des choses qui vont se... Alors, je suis en train de regarder. Alors, typiquement, le Nextcloud qu'on a testé, qui a servi pour le Spotify, qui avait servi pour la synchro de calendrier contact déjà au mois de septembre, lui, il ne sera pas installé, il ne sera pas déployé dans du Kubernetes, il sera déployé sur le NAS, alors via Portainer. Non, peut-être pas via Portainer, parce qu'en fait, il y a des applications directes dans le... dans App Central. On a déjà... Alors d'ailleurs, on en a deux, je ne sais pas pourquoi... Mais on a Nextcloud qui est déjà... là, il est en 28.03.R01. Alors, si on va... alors, si je mets pas toutes les lettres, ça peut le faire. Pouf, c'est .com. Self-hosting. Community Project. Bon, il y a un 29 qui est sorti, mais il n'est pas. Donc, voilà. C'est pas la solution à tout. Ah bah non, hein. Puis typiquement, par exemple, là, malgré tout, le déploiement de Kubernetes que je fais avec du stockage par NFS, c'est bien pour chez moi, parce que j'ai absolument rien en termes de performance de que dalle. Alors par contre, si on veut faire ça sur un truc avec un peu de trafic, avec de la criticité, ce genre de choses... Bah typiquement sur un cluster cloud comme GKE, je recommanderais plutôt d'utiliser les volumes comment ils appellent ça? Oh mon dieu, les persistants de volume de GCP, parce qu'en fait c'est ce qu'il y aura de plus performant. Comme on est sur un stateful set, parce que c'est ce que déploie l'opérateur, bah on aura un volume par pod, c'est nickel. Si on se démerde bien et qu'on a des storage classes avec des volumes régionaux sur un cluster cube, on aura de l'achat. Donc même s'il y a un pod qui lâche, hop là, pouf pouf, ça redémarre. On perd une zone, on a le pod qui redémarre sur un autre nœud qui est sur une autre zone et hop, il récupère son volume, tout va bien. Donc j'ai envie de dire, oui, là pour le coup c'est intéressant. Le NFS par contre c'est à fuir comme la peste dès qu'on veut faire des bases de données, mais... Et en fait, après, techniquement, enfin moi, honnêtement, les autres solutions que j'ai vues jusqu'à maintenant, pour du vrai stockage persistant, c'est compliqué.
Quand on est sur du traitement temporaire, on peut utiliser du host pass, en particulier si on a des serveurs avec des gros volumes de stockage et bien rapides comme des SSD, des trucs comme ça. Alors sur du chez des cloud providers, enfin typiquement moi j'ai vu le cas chez GCP où on avait un client qui avait une plateforme Splunk où les indexeurs avait, je crois, jusqu'à 16 SSD NVMe locaux, temporaires du coup. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais le serveur il devait redémarrer, ils étaient bons pour scratcher l'indexeur et le redéployer from scratch. C'est bourrin, mais voilà. Mais au moins, les mecs, ils avaient une performance locale de taré, quoi. Mais voilà, donc en fait Kubernetes c'est intéressant si on veut gérer un nombre de grosses machines. Faut quand même. Ouais bon, on était sur un niveau d'industrialisation et de haute dispo qui pouvait qui calait, hein. C'est-à-dire que on perdait absolument quasiment pas d'informations si jamais on devait scratcher un serveur. Parce que de toute façon, ils avaient un truc comme quand moi j'avais dû gérer l'installation des prérequis. Pour l'infogérance, on était à un truc comme 33 injecteurs avec chacun 256 Go de RAM aussi. Mais parce que le bordel devait traiter des trucs comme plusieurs millions de lignes de log par seconde en injection. Donc bon, voilà, c'est pas non plus. Ah, c'est sûr que c'est loin des trucs perso. C'est loin des plateformes perso où on n'a vraiment pas grand-chose à traiter, mais. Par rapport au, voilà, au cas d'usage, ça choque moins, on va dire ça comme ça. Bref, tout ça pour dire, oui, donc ouais, de toute façon, bah, si t'arrives à l'heure, on en refera hein, du Kubernetes et t'auras l'occasion de le voir en direct. Hein, après, c'est pas. Là, tu vois, t'arrives juste avant la fin du live, c'est pas très grave. La semaine dernière, quand on a testé OpenSnitch, enfin là, je sais que c'est un ancien collègue de boulot qui m'a fait une remarque sur le fait que j'ai mentionné Zone Alarme, parce que ça lui a rappelé des aussi bons souvenirs que moi, mais sauf qu'il m'a fait la remarque hier soir. Donc, voilà, le mec regarde le replay avec une semaine de retard. Ça va, ça va, ça va. Après, là, c'est juste que par contre, je vais être 2 semaines, 2 semaines de vacances, ce qui veut dire que pas la semaine prochaine, pas dans 2 semaines, donc on va se revoir que dans 3 semaines. On n'est pas sur le même fuseau horaire, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. T'es où toi déjà? Je me souviens plus. C'est pas un truc comme Suède ou un truc comme ça, mais normalement, t'es pas plus tôt ou plus. Attends, c'est quoi? C'est plus tard? Plus tôt? Je me souviens plus. Non, c'est plus tard. Il me semble. Qu'est-ce que j'ai comme. Alors, non, non, non. Ton pseudo est trompeur. Ah, mais t'es aussi un Canadien, toi, c'est ça, à tous les coups. Oui, voilà, c'est ça, UTC-6. Côte est de l'Amérique du Nord. Donc ouais. Oui, là, donc effectivement, donc quand je commence à 21h, moins 6, ouais, ça fait moitié de l'après-midi, donc c'est pas évident. Généralement, on travaille encore à cette heure-là, ouais, c'est pas pratique. Ouais, mais si je fais plus tard, je m'en sors pas après. Si je fais plus tard, je m'en sors pas. Enfin, c'est surtout que la moitié des lives, je suis déjà crevé quand je commence à 21h, alors du coup, c'est pas pratique. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Oh, bah c'est sympa, c'est bien.
C'est ouais, si tu peux, quoi. Si comme moi, tu passes encore, genre là, ce que j'ai fait la moitié du vendredi après-midi en conférence téléphonique. Pas pratique. Alors, du coup, donc voilà, pour revenir. Parce qu'en plus, là, il faut vraiment que j'y aille, parce qu'il faut que je termine de mon package pour partir demain matin. En tout cas, c'était cool quand même que tu d'être passé, merci. Retour de vacances, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un récap de ce que j'aurais eu le temps de bricoler pendant les vacances? J'avais aussi envie de revenir. Je voulais en parler vite fait et je voulais le montrer, mais je pas ce soir. Pour revenir sur ce qu'on a fait il y a 2 semaines où je vous ai présenté AI Quickset, qui du coup s'est avéré, alors, qui était censé être quelque chose de cool et qui s'est avéré très décevant. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'était donc tenter d'utiliser des IA génératifs facilement quand on n'a pas une carte graphique Nvidia. Ça reste un problème, hein, on va pas se mentir de toute façon. Mais en fait, dernièrement, j'ai découvert que Oliama, alors on n'est pas sur l'interface graphique, mais Oliama a sorti une version Windows en preview. Et ça marche pas trop mal. Ça marche pas trop mal, du coup. Alors, il y a encore un peu de boulot, hein, pour que ce soit au. Ah bah d'ailleurs, il me l'a démarré. Mais je lui ai même pas demandé, mais quand est-ce qu'il démarre automatiquement ce truc-là? Mais du coup, il doit me pomper la RAM. C'est peut-être ça aussi que j'ai vu tout à l'heure que j'avais des galères. Non, parce qu'il n'y a pas de modèle de chargé. Ok, donc voilà. Tant mieux. Mais bref, voilà, j'ai eu l'occasion de le tester. Alors, c'est pas encore parfait. En plus, je me suis amusé avec Llama 3. Mais en l'occurrence, ça marche bien. Honnêtement, j'ai été surpris. Ça marche pas trop mal. Et ça marche vite. Et du coup, je pense qu'on reviendra vite fait dessus. Le live de retour de vacances, ça risque d'être un melting pot. Il n'y aura pas qu'un seul sujet spécifique. Ça va être pas mal de blabla et de retour sur ce que j'aurais pu faire. Donc je vous remontrerai un petit peu voilà, le résultat de quand ça marche bien, comment ça se passe. Voilà. Alors par contre, je crois que ça on n'est que sur des. Ouais, c'est du modèle de langage. Oliama, c'est vraiment pour du modèle de langage. Donc on a les gros modèles de bourrin. Alors celui-là, le Liava, on avait eu l'occasion de le tester avec les Llama Files de Mozilla. D'ailleurs, c'est pareil. Mozilla Audio Show, ils ont sorti une nouvelle révision. Ils ont sorti, il y a une nouvelle release qui est sortie. D'ailleurs, ils viennent de sortir un correctif. Donc, ils supportent Phi 3. Ah, intéressant. Phi 3, c'est un modèle de Microsoft, je crois, non? C'est pas ça? Il me semble, hein. J'avais cru voir un truc comme ça. C'est ça, Microsoft. Qui est censé. C'est un modèle. Quoique là, c'est censé être petit, mais. Bon, 32 Go de RAM, ok. Ça pique un peu. Ah non, je confonds avec. C'est Apple. Il faut que je regarde un peu. Apple, ils ont annoncé la sortie d'une collection de. OpenELM. Pour avoir des modèles qui sont très petits mais qui sont capables de s'exécuter en local sur le téléphone. Donc voilà. C'est dans la logique d'Apple, c'est moi ce que je considère être la bonne approche pour exécuter des outils d'IA génératifs, c'est-à-dire que les services cloud c'est bien, mais 99,99% des services cloud sont là pour vous enculer d'une façon ou d'une autre pour récupérer des données, donc non. Et comment?
Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais déjà plus. Ouais, donc du coup, l'exécution, bah, pour l'instant, ça demande encore trop de ressources. Donc je pense que, voilà, je reviendrai là-dessus. On n'en retestera pas forcément beaucoup. Il y a ça, on reparlera peut-être qu'est-ce que j'ai eu aussi qui était en demi. Le MariaDB, je pense que je terminerai pendant les vacances et je vous montrerai éventuellement le résultat, notamment de l'implémentation des backups que j'ai eu la flemme finalement de terminer ce soir. Donc voilà, si j'arrive aussi à prendre, si je prends un peu de temps et que je me repenche sur mon déploiement de drone, l'installation de Minayo aussi, ce serait peut-être bien que je la refasse comme il faut. Parce que vas-y, mets à jour. Rappelez-vous, on avait tenté de faire un déploiement de portée de Minayo via Portainer, mais via l'API de Portainer. Et l'API de Portainer, on avait réussi à créer la stack, mais on n'arrivait pas à la modifier, donc pour gérer les mises à jour. Et ça m'avait gavé. Donc et du coup, j'avais un peu lâché l'affaire, mais c'est pareil, c'est un truc qui est resté en... qui est resté en demi-teinte, et j'aimerais bien reprendre ce truc là au propre. Donc putain, il gratte, hein, Gaillard, vraiment. Donc voilà, et je sais pas si... Bon, j'avais fait la migration de Flanel vers Calico en live, mais je sais pas si je prendrais le temps de le faire pour Cilium. Ça a pas énormément d'intérêt. Qu'est-ce que j'ai d'autre en tête comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait aussi qui est tombé en... Qui est resté à moitié. Il y a eu donc le build de FreshRSS. Enfin, le build fonctionne. Et le déploiement qui fonctionne pas. On a le déploiement de Minayo sur Portainer. Bon, le Nextcloud, j'ai pas besoin d'en reparler parce que c'est quelque chose qu'il faut que j'installe pour mon utilisation à moi, perso. Réel, au-delà du test sur le micro-serveur qu'on rallume une fois tous les 4 mois pour bricoler des trucs comme le Spotify, enfin le Ultrasonic, enfin le truc de musique là, la synchro de contact, etc. Ça, c'est des trucs qu'il faut que je remette en place, mais j'ai pas pris le temps de le faire. En tout cas, je suis content d'avoir validé ces options là, mais il faut que je le refasse au propre. Oups là, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Ah non, en fait je l'avais mis en RWO, hein, la base de données. Hein. Ok. Donc hop. Allez. Clac, et comme ça, on fait ça, ça, on supprime. Dodo. Et donc ouais, voilà, dans 3 semaines on essaye de revenir sur des trucs que j'aurais pu enfin finaliser ou reprendre, et ça fera une petite reprise à la cool. J'exclus pas aussi de bricoler un petit peu autour d'OBS pendant les vacances. Pareil, j'ai eu l'occasion d'en parler à un moment donné, je sais plus quand. Ça fait quand même un an que je me trimballe les mêmes scènes. Mais qui fonctionnent plus correctement, là. J'ai plus de... C'est quoi ce délire? J'ai perdu le chat. Comment ça?
Alors attendez, 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 qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui, la source a planté. D'accord. Ouais, pas si grave, pas si grave. Putain, j'ai même pas percuté, mais en fait, il n'y a plus rien. En fait, j'ai la source Brother qui a planté. Ah ouais, c'est... On est sur du... D'accord. Oh la vache. J'avais même pas fait attention à ça. Alors ça c'est pareil, c'est un autre truc, mais le problème c'est que je suis en vacances, donc j'ai pas le temps de m'en occuper là, mais il faut que j'essaye de réparer cette histoire de driver cassé depuis. Alors a priori je suis tombé sur ça, un outil qui s'appelle AMD Cleanup Utility, donc l'idée ça va être de flinguer toute l'install de driver, de supprimer tout, et après de réinstaller correctement les drivers from scratch. En croisant les doigts pour que ça corrige les problèmes. Mais bon. On verra bien. Bon, sur ce, allez. Ça, il me semble que ça marche encore. Ouais, mais de toute façon, oui, il n'y a plus que la webcam qui fonctionne. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée pour ou bonne soirée pour ceux qui démarrent la soirée. qu'est-ce que du coup un bon week-end aussi, bonnes vacances si des fois parce que moi je prends 2 semaines de vacances, s'il y en a qui partent en vacances entre-temps, bonnes vacances et on se retrouve donc dans 3 semaines. C'est vrai qu'on décale quand même pas mal. Ouais, c'est ça. Dans 3 semaines et avec un des petits retours sur ce qu'on a fait précédemment, ou alors éventuellement si je trouve un autre sujet de fou à discuter, à tester, machin, etc. Comme d'hab, hein, mais sinon ce sera du petit. J'aurai le temps de rattraper mon retard sur les replays. Ah bah oui, clairement, oui. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Voilà. Sur ce, allez, je vous laisse. Je termine mes affaires pour partir demain. Ciao, ciao!